J'espère que vous allez bien du coup. Bienvenue dans le Ramadan numéro 4. Serais-je en train de tenir? Peut-être. Je sais pas. Peut-être que demain il n'y aura pas de vlog. Ça se trouve que là je vais péter les plombs, il n'y en aura pas. Bref. Du coup, bah mauvaise nouvelle, je suis toujours méragnagnan. Toujours dans la zone rouge. Donc toujours pas de Ramadan pour moi. Bah, c'est pas très grave, hein. Je vais pas mourir. Mais je pense que demain c'est bon. Demain j'attaque mon premier jour, Inch'Allah. Et bref, pour l'instant, en attendant, je vais me faire une pizza au thon. Donc une fausse pizza au thon, enfin pas une fausse pizza au thon mais surgelée quoi. Je vais me faire une pizza au thon et j'ai reçu des colis, je pense que je vais vous faire un unboxing. Mais c'est des colis inintéressants mais histoire de faire de petites séquences. C'est des colis pour le travail et je pense que dans cette vidéo je vais vous parler de mon taf aussi. Voilà, pourquoi pas me faire une petite pub en même temps, qui va me faire si c'est pas moi. Aussi j'ai reçu un colis Chine mais j'ai reçu qu'une petite partie, du coup j'attends de recevoir l'autre et je vous ferai un haul. En fait je sais pas si je vous fais un haul et ça comptera comme un Ramadan. Ou dans un de mes ramadais, bah, je vous fais le haul. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est que déjà, je vais lisser mes cheveux. Parce que, voilà, je voulais vous montrer comment quand je sors de la douche, mes cheveux, ils sont comme ça. Donc, ils sont pas lisses, mais ils sont pas frisés, quoi. Ils sont comme ça, ils sont très bien. Donc, ça, c'est lissage tannin. Donc, du coup, je vais lisser mes cheveux. Et après, je vais me faire un petit coupe-fourche. Et je pense que je vais vous montrer un petit peu. D'ailleurs, je fais des prestations de coupe-fourche, si jamais ça peut vous intéresser. Quoi, je fais mes pubs, oh, faut bien que je gagne ma vie, YouTube me paye pas, me paye plus, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont changé de truc de rémunération. Je reçois pas 1 € avec ces putains de vidéos. Bref, de toute façon, je m'en bats les couilles. Et du coup, bah c'était tout, en tout cas, j'espère que vous appréciez mes ramadais, je sais qu'ils sont pourris, ils sont pas ouf. Et je pense que vous avez compris un petit peu, je les poste plus le soir même, je poste le lendemain maintenant. Du coup, voilà, ça veut dire que vous aurez une vidéo quand même une fois par jour, hein, mais... À chaque fois, par exemple, cette journée-là sera postée demain. Enfin, voilà, t'as capté. Bon, je vais faire ma petite pizza et je reviens après. Bisous. Mais je viens de penser, je vous ai jamais présenté mon lapin. Regardez, Nénette. Coucou. Tu fais coucou? On a rien à foutre de votre gueule, hein. Franchement, elle veut juste sortir. Du coup, ouais, parce qu'en fait, c'est un lapin qu'on laisse sortir. Donc, elle est en cage juste pour dormir. Tu arrêtes. Et toute la journée, elle fait sa vie. C'est un petit peu comme notre chat, en fait. Clairement. Du coup, là, je vais lui mettre à manger. Bon bah heureux, je voulais vous montrer, j'ai un peu rangé ma chambre mais je vous montre pas ma chambre jamais de la vie. Je vous montre la housse de couette que j'ai commandée sur Shein. Oh, elle est un peu trop petite. Je croyais qu'elle était trop grande, moi j'ai dit wow, elle est balèze. Mais en fait elle est trop petite. Bon je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup elle est comme ça. Et ce qui est bien, et pourquoi je l'ai pris, c'est qu'elle est réversible. Genre si des fois je vais le mettre noir, je mettrai noir. Et si je vais mettre blanc, bah je mets blanc. Et là c'est blanc que je vais mettre. Elle est trop petite. Comme vous voyez en fait j'ai un lit haut. Voilà, mon lit il est haut, tu vois. Et ça veut dire que c'est comme ça. Et dites-vous que là-bas c'est encore pire. Attends, je vous montre. Voilà, donc ma mère va encore me terminer. Voilà la housse de couette, la qualité elle est. C'est pas un truc de ouf, mais c'est très bien. Je l'ai payé 20 balles, donc 20 € avec le coussin. Sans le coussin d'intérieur, hein, genre la housse de coussin. Bon, je voulais juste vous montrer mon avant-après. Donc là c'est avant que je lisse mes cheveux. Je vais vous montrer bien. Si vous voyez. Donc voilà, ils sont super doux, je sais pas, ils sont, j'aime bien comment ils sont là, bref. Donc là, c'est avant que je les lisse, si vous voyez bien. Regardez le avant-après, déjà ça... Alors là, c'est le après, bien évidemment, et là, c'est l'avant. Déjà là, il y a moins de longueur, là, il y en a plus, c'est normal, parce que c'est pas lisse, c'est lisse, c'est la même chose. Mais ouais, voilà, donc je pense que je vais quand même couper mes cheveux là. Enfin, je vais finir de lisser, je vais faire le coupe-fourche, et après, je vais passer un petit coup de ciseau. À peu près tout ce que j'ai de fourche, si vous allez voir, vous voyez bien là. Voilà, c'est très grave. C'est très grave. Regardez toutes les fourches. Regardez toutes les fourches que je me suis enlevées. C'est dingue. Bon, du coup, je vais vous faire un unboxing. J'ai plein de trucs à vous montrer. Enfin, plein de trucs. Non. C'est clairement des vieux trucs, mais histoire de faire de la séquence. Du coup, le colis Amazon. Ok, donc en fait, j'ai commandé des éponges comme ça. Je vous explique que vous trempez dans l'eau et elles gonflent. Voilà, c'est pour mes soins à la maison. J'ai commandé des bandeaux, donc aussi pour mes soins à la maison, des bandeaux. Pour pas que les cheveux se prennent dans les masques et tout ça. Ils sont comme ça. Voilà. C'est pour mes clientes en fait. Donc ça c'est des charlottes jetables, attendez je vous montre, ok, et voilà.
Bref, des charlottes jetables. Maintenant, il va à la poubelle. C'est super. Ensuite, Amazon pour... Ah, donc ça, c'est du gel. En fait, c'est pour l'ultrason, la radiofréquence et tout quand je vais faire les draps faciales à mes clientes. Ensuite, j'ai reçu une grosse machine. En fait, c'est le Vapozone. Attendez, je vous montre. Mais j'ai la flemme de démonter. Donc. Comme ça. En fait, ça ressemble à ça. Et tu vois, tu as une fumée qui va sortir de là. Comme ça, sur le visage. Bref. Un espèce de sauna de professionnel, en fait. Qui m'a coûté une blinde. J'ai reçu de Chine, j'ai reçu la housse, comme je vous ai montré tout à l'heure, et un jean. Et le reste, je recevrai demain, je pense. Demain ou après-demain, bref. Mais le jean, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai essayé, hein. Je l'ai essayé tout à l'heure. Au début, je pensais qu'il n'allait pas me rentrer, mais si. C'est un baggy. Enfin, un baggy. C'est des gros jeans. Vous savez, des gros jeans. Comme ça. Ouais, ça peut, je vous montre. Il est comme ça. Il est trop beau. Est-ce que je vais le mettre là pour vous montrer? Non, parce que j'ai la flemme. Mais je vous mets une photo juste là, du jean. J'ai pris en taille 0XL. Donc voilà, c'est chez les grandes tailles, mais j'ai pris la plus petite des tailles. Un 0XL, ça équivaut à un 44. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler d'un truc, je vous parlais de ça. En fait, c'est un truc que tu achètes chez Lidl, c'est café viennois, c'est super bon. Pour les personnes qui jeûnent à prendre le matin, je vous conseille grave ça, c'est super bon. Il y a ça, il y a aussi cappuccino ou café tout court. Moi, j'ai voulu tester café viennois, c'est moins de 2 €. Et j'ai bu là les cafés. Donc ça dure un petit temps. Ils disent de mettre 5 à 6 cuillères, c'est des menteurs. Faut arrêter les conneries. T'en mets 4, ça suffit. Et voilà. Faut mettre du sucre par contre. Pas trop, mais faut en mettre. Du coup, là je vais appliquer un masque hydratant parce que j'ai la peau toute sèche. Parce que j'ai utilisé du savon noir pour me nettoyer le visage sous la douche. Parce que j'ai rien d'autre pour me nettoyer le visage. Enfin, si. J'ai un truc SVR, je sais pas quoi, mais il est nul. Nul. Je préfère autant le savon noir. En fait, je vous explique, j'ai pas de nettoyant en ce moment qui me adapte à ma peau et que j'aime bien. D'ailleurs, si vous avez un nettoyant à me conseiller, je suis preneuse. Du coup, là, j'applique un masque de... Un masque hydratant. Voilà. Je sais pas combien de temps on doit le laisser poser, mais... Je l'applique et puis c'est tout. Enfin, on verra bien. D'ailleurs, est-ce qu'une vidéo skincare... pourrait vous intéresser. Je sais que j'en avais déjà fait une il y a un petit moment, hein, il y a plus d'un an je crois. Mais genre une vidéo skincare mais beaucoup plus détaillée. D'ailleurs j'aimerais bien changer ma routine skincare. Du coup voilà. Donc si vous avez une routine skincare d'ailleurs à me conseiller, je suis aussi preneuse. Je prends tout en fait, hein, simplement, je prends tout. Je vous ai même pas montré c'était quoi le masque. C'est celui-ci, c'est un masque de la marque Monuskin Hydrating Mask. Masque hydratant Royal Jelly et Evening Primrose Oil. Sensitive Skin. Bref, donc voilà, c'est un masque que j'avais reçu dans une box, non, dans un calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai utilisé 2-3 fois. Je ne saurais vous dire s'il est bien ou pas. Je sais pas, je le mets juste pour le mettre. Je vous mens pas, je sais pas. Bref. Ah ouais, j'ai une nouvelle passion avant de dormir, c'est de mettre ça sur mon lit. C'est pas partenariat. Il me calcule même pas qui va me caler en ce moment. Je fais même pas de vidéo et quand les partenariats ils me contactent, je les calcule même pas. Je fais même pas les vidéos. Ils me disent de faire une vidéo, je la fais même pas. Donc plus personne me cala. Donc sachez que plus de partenariat. Bref, donc de Moscou, tu mets ça avant de dormir sur ton lit. C'est une dingue, j'en mets partout chez moi. Et du coup, que de base, ça j'en ai 3. Je les ai tous vidés. C'est le dernier qui me reste. Bon, du coup, je vais devoir clôturer le vlog parce que je suis littéralement en train de m'endormir. Je suis explosée. Je sais pas ce que va rendre le vlog. J'espère que vous aurez apprécié quand même. Je suis désolée. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc avant de clôturer. En ce moment, je joue à Animal Crossing. Dites-moi si vous jouez aussi à Animal Crossing en commentaire. Moi, j'aime trop. Après, je débute, donc mon île, elle est pas ouf. Mais n'hésitez pas à venir en DM sur Instagram. Me donner vos codes amis. Je vous ajouterai en ami, avec la Switch. Et comme ça, j'irai dans vos îles, vous irez dans mon île, je vous partagerai mon code ami et ainsi de suite. Je vous ferai des cadeaux, vous me faites des cadeaux, bien évidemment. Hein. Regardez-moi bien. Et bref, voilà, du coup, j'espère que le vlog vous aura quand même plu. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour un prochain Ramadan.